Jodi an akad konferans sa, nou gen yon spesyalist nan kestyon epidemiologi ke nou pral resevoa. Men avan ke m prezante spesyalist la, m ap jis bay yon etat de lye de situasyon koronavirus la nan peyi d'Ayiti pou 8 denye jou de statistik nou gen ki disponib. Nou gen yon du 5 au 12 juen, se donè sa yo ki disponib aktuellement e ke MSPP mette a disposisyon nou. Li montre ke nou genyen pou peryode sa 28 moun ki mouri, 28 nouvo moun ki mouri de koronavirus. Nou genyen 973 nouvo moun ki infekte a koronavirus la. E moun ki admet an soin d'urjans a l'opital yo totalize 193. Donk, chif sa yo montre ke situation coronavirus la nan peyi d'Haïti nan jou sa yo li rete pratiquement stable avec un taux de létalité qui varie autour de 2.15% et nou genyen en moyenne 121 nouveaux cas par jour qui confirmé. Donc ça pa vle di que coronavirus la li pas évolué nan peyi d'Haïti, on est au stade de début de nouveaux variants ça qui mande pour que population haïtienne nan li toujours continuer rete vigilant. Rete vigilant veut dire continuer appliquer toutes mesures de barrière yo, yon façon pour nous capable barrer la route à coronavirus. Et gen une situation que me voulais mettre accent sur li là dans conférence que me constater dans pays a. Me constater que bon question et d'apporter dans question vaccination là et dans pays moun ki gen moyen paye ticket yo soit au traverser Saint-Domingue ou bien y aller aux États-Unis al prendre vaccin gagner selon information que nous recevons gagner côté dans pays là gagner vaccin que moun al prendre moun ki gen moyen ou bien moun ki gen relation joindre vaccin pour yo prendre. Majorité population li même li pa gen accès à vaccin. Donc ça veut dire gagner des moun qui capable gen accès mais majorité a li même li yo kite l pou kont li pou le monde. Donc nan sans ça n'a rappelé autorité yo nécessité ki gagner pou yo capable accompagner population face à gros danger ça qui pèse sous tête nous qui c'est coronavirus là. Gagne information que gagne des autorités dans pays yo même yo prend vaccin yo mais population a pas joindre. Donc ça veut dire un groupe capable gagne un autre groupe pas ka gagne. Donc dans sens ça n'a demandé rapidement pour gagne des diligences qui fait pour que meilleur vaccin yo capable disponible pour la population générale. C'est extrêmement urgent et important pour que ça fait dans le plus bref délai. Important. Maintenant, et nous-mêmes dans cadre de campagne sensibilisation ça que nous lancer, n'a continuer avec activité yo. Dimanche qui vient là, n'a gain première séance de formation et pour les journalistes et puisque nous connaît un lien important pour nous capable permettre que journalistes dans cadre travail yo toujours été en santé. Donc rien et pas gain plus important que information pour la santé donc yo même y a pas accompagner nous faut que nous même nous protéger autour donc ça fait n'a commencé avec séance de formation ça cependant n'a pas le fait que nous dans contexte de coronavirus nous pas qu'à prendre en pile monde en même temps n'a fait par plusieurs séances et n'a sélectionné journalistes à chaque fois pour capable permettre que tout au final que tout journaliste yo même yo formé non seulement sous façon pour yo capable protéger tête yo mais en plus sous et comment yo capable combattre mauvaise information dans question coronavirus là qui était un danger en plus dans et question ça quelles que soient les conditions quel que soit chiffre yo nous rendons compte que gon situation qui grave situation grave à partir de introduction de nouveaux variants ça yo le variant anglais et le variant brésilien.
et à travers taux de mortalité et plutôt taux de létalité, c'est-à-dire que les gens ont mouru à cause de maladies environ de 2,14, et bien nous voyons déjà que les choses ont grimpé, alors que jusqu'à présent, nous étions censés épargner par pandémie. Ça a très quelqu'un qui mouru, parce que chaque monde qui mouru est important, mais quand même, il n'y a pas d'autant de monde qui est mouru. Maintenant, ça qui arrive, en même temps que nous constater que COVID-19 là a pesé bien sur l'accélérateur, eh bien, qui ça nous-mêmes nous constater que au niveau système de soins, nous avons un problème. Pour qui ça? Système hospitalier nous n'a pas fonctionné normalement, qu'il s'agisse de l'hôpital public, qu'il s'agisse de l'hôpital privé, et dans pile l'hôpital qui actuellement pas accueilli malade encore parce qu'il est dépassé. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons intérêt à traiter Mounio le plus rapidement possible, ça qui est maladie, et mettre accent sur prévention, ça y est les préventions primaires. Okay? Maintenant, là nous disons traiter maladie. Traiter maladie, il y a des protocoles que vous utilisez, mais nous connaissons que jusqu'à présent, pourquoi il y a des médicaments qui officiellement reconnu qui traite malade. Cependant, il y a une pile recherche qui a fait dans plusieurs pays et recherche ça yo montré que quand même il y a des molécules même si on peut valider qui bail des résultats. Et il y en a d'ailleurs c'est ivermectine que ont été utilisé dans le cadre de l'encocercose les mounio en Afrique. Et qu'on a des problèmes cécité à cause de maladies à urine aveugle, eh bien, il y a des études qui faites sur ça, mais rester pour valider. Mais en même temps, il y a l'autre médicament, tout, les macrolides, ça nous les macrolides, même si nous ne sommes pas médecins, c'est un groupe de médicaments que nous avons, et même le cas de pneumonie atypique, par exemple, de Colon, nous avons, et il y a l'azithromycine, il y a l'érythromycine, que nous continuons à utiliser dans les cas. Pour traiter les cas de COVID-19. Parce que ça qui arrive qu'on y a là, nous avons des gens qui gagnent toutes les réponses. Les plus grands scientifiques n'auraient pas de réponse. Ils ont cherché même gens avec nous. Gagnent qui a plus à l'avant-garde que l'autre. Donc, maintenant, qui ça nous capable de dire? Problème là, puisque le système de soins nous a dépassé, puisque l'hôpital nous a dépassé, eh bien, il faut traiter les malades le plus rapidement possible. C'est ça nous le traitement précoce et ambulatoire. Pas quitter maladie abouti dans l'hôpital, à ce moment-là, il va tomber dans complication et il va mourir très souvent, c'est ça qui dit. Or, là, nous dit traiter précocement, à qui ça peut traiter? Donc là, nous ne pouvons pas entrer dans le débat pour le moment, mais nous dit qu'il y a des molécules qui agissent, notamment l'ivermectine, les macrolides, même si officiellement, il y a beaucoup. Mais les par exemple, ou l'on situation d'extrême gravité, côté moun a mouri, un pile docteur a mouri, un pile moun a mouri, un pile jeune moun a mouri, un pile moun âgé, notamment sa gen comorbidité a mouri, eh bien, ou supposé utiliser les grands moyens, même si scientifique pour approuver, eh bien, nous connaît que tout moun prend ses médicaments traditionnels, tout, y compris les médicaments classiques, si nous voulons. Mais pour nous prudents, parce que nous connaissons que les médicaments qui ont des effets secondaires. Mais l'ivermectine, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires. Si nous ne prenons pas on va lancer. Et par conseil, nous allons apprendre nous-mêmes, il faut toujours avoir un médecin qui vous a conseillé. D'accord? Maintenant, en plus de traitement précoce, là, on dit traitement précoce, ça nous veut dire par là. Nous remarquons que traitement précoce, là, veut dire que dès que nous avons présenté les premiers symptômes, faut ou mettre sous un traitement ou penser qu'un médecin, que des gens qui ont expérience, penser qu'il baille un résultat. Sinon, dans les 72 heures, nous ne capable d'empirer. Ok? Ça c'est important. Et médecine traditionnelle dans tout, nous pas qu'à rejeter, bien que faut que les bagages qui méritent réguler tout. Ok? Donc, traitement précoce aux alliés, et d'ailleurs, nous fait constituer un groupe pour le traitement précoce COVID, il y a un docteur qui l'a donné, côté d'un pile médecin
qui fait des expériences avec mon COVID-19. Et bien nous même en tant que médecins haïtiens qui vivent long milieu qui est différent, et bien nous pas qu'à courir adopter ça l'autre pays dit nous faut tenir compte de yo, OK, mais cependant faut tenir compte de expérience que médecin la caillou que moun qui la médecine traditionnelle la caillou parce que même la médecine traditionnelle, OK. Bref, maintenant, là nous dit nous parler de traitement précoce, rapide et en ambulatoire pour pendant nous pas obligé à coucher à l'hôpital, mais en même temps faut nous faire annuler prévention primaire là. Prévention primaire là c'est l'heure par exemple où prendre des mesures tant que genou est là, nous mettre masque même si m'enlever le pendant ma parler hein, nous avons certaines distances quand même, et bien pour nous éviter grand rassemblement, pour nous keb la distanciation physique autant que possible, et s'il pas respecté, pour nous mettre des masques, pour nous laver bien souvent, parce qu'en pile maladie respiratoire, transmettre par les poignets de main aussi. Ça fait laver main, c'est important. Donc ça, il faut nous insister sur lui pour la population et pour faire ça. Mais ça, c'est la prévention primaire. Et la prévention primaire, là, vous mettez tout ça à la vaccination. Et actuellement, nous connaissons une série de vaccins qui peut-être pas en Haïti, mais qui en route. Mais vaccin en tout, c'est une solution, nous ne pouvons pas rejeter. Même si nous avons arrivé en phase, pour nous dire, bon, vaccin, il y a des gens qui ont créé, il y a ceci, il y a cela. Cependant, vaccin, il était en option. Je me connais. Si vous avez une situation qui n'est pas grave, eh bien, il faut que nous, le vaccin était important.